Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur BFM TV en direct. Bien sûr, vous, le ministre de l'Intérieur, au cœur de l'actualité, avec notamment les événements à Marseille. On va y venir dans un instant. Mais on l'a appris dans la journée, 4 membres présumés d'une cellule islamiste radicale ont été interpellés à Paris. Aujourd'hui, ils comptaient aller en Syrie, s'engager dans le djihad. Quel est leur profil? Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Et surtout, je crois que tous les Français se demandent, est-ce que le climat récent, l'atmosphère, les menaces de frappe sur la Syrie. Est-ce que cela, ça a aggravé le climat en France? Je ne peux pas le dire ainsi. Il s'agit de 4 individus, 4 Français, âgés de 23 ans à 33 ans, soupçonnés, l'enquête est en cours, d'avoir braqué un quick en région parisienne, sans doute, peut-être, pour payer ce voyage en Syrie. Ces 4 individus étaient surveillés depuis déjà un an, à la fois par la Direction centrale du renseignement intérieur et par le renseignement de la préfecture de police de Paris. Le renseignement travaille sur des réseaux, des groupes, des individus dont nous savons qu'ils peuvent proférer des menaces à l'égard de la France et de nos intérêts, tiennent un discours radical ou tout simplement parce qu'ils souhaitent aussi aller combattre en Syrie. Et ce travail de renseignement nous a permis déjà, depuis plusieurs mois, de démanteler ces groupes et d'arrêter un certain nombre de personnes. C'est la vigilance du renseignement qui permet aujourd'hui d'anticiper peut-être demain des actions et en tout cas ces déplacements en Syrie qui évidemment peuvent nous inquiéter. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de menaces? Là, on a entendu aujourd'hui que les Américains demandaient à leurs ressortissants d'évacuer, d'éviter certains pays, d'évacuer certaines ambassades à Beyrouth, en Turquie. Est-ce qu'en France, par exemple, étant donné ce climat avec la Syrie, on s'inquiète? Il y a d'autres types de menaces? Face à ce climat, c'est la vigilance qui s'impose. Le président de la République l'a encore dit il y a quelques jours. Nous vivons avec cette menace, et pas depuis des mois seulement, depuis des années. L'intervention de la France, en tout cas au Mali, au début de cette année, a augmenté, a priori, la menace. Et c'est pour cela que nous avons renforcé, à la demande du Premier ministre, le plan Vigipirate rouge, qui permet à des soldats de notre armée d'être présents sur l'espace public et notamment dans les gares et dans les aéroports. Et puis la police et la gendarmerie sont évidemment attentives à toute menace et à tout comportement. Et puis il y a surtout ce travail de renseignement, à la fois de la Direction générale des services extérieurs, la Direction centrale du renseignement intérieur, une coopération très étroite avec les services de renseignement d'autres pays pour conjurer, pour faire face à toute menace. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'éléments précis qui alimenteraient une nouvelle menace. Nous vivons dans un monde ouvert, dans un monde avec ses dangers, avec ses défis, et nous devons donc être extrêmement attentifs, notamment vis-à-vis de groupes, c'était le cas là, d'individus particulièrement endoctrinés et qui peuvent représenter, avec toute la prudence nécessaire, il y a une enquête sous l'autorité de la justice, qui peuvent représenter une menace. Et je suis évidemment inquiet du nombre de Français ou de résidents en France, mais c'est vrai aussi pour de nombreux pays européens qui sont allés ou qui sont encore aujourd'hui en Syrie pour combattre le régime de Bachar al-Assad, mais qui peuvent se trouver aussi, pour certains d'entre eux, dans des groupes terroristes. Le G20 vient de s'achever. François Hollande est apparu isolé. Il a donné une longue conférence tout à l'heure, une conférence de presse. Il est lâché par les Européens et même peut-être ce soir lâché par les Français. Il y a un sondage IFOP, le Figaro, 64% des Français se déclarent opposé à toute intervention militaire. Je ne crois pas à l'isolement de la France. Je crois surtout que la France a une responsabilité. La France est un grand pays, c'est une puissance économique, industrielle, mais c'est aussi d'abord une puissance militaire, diplomatique. Je viens d'évoquer le Mali. À l'époque, contrairement d'ailleurs à ce qu'on dit... C'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas le même soutien. À l'époque, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, il y avait déjà des voix qui s'élevaient sur l'isolement de la France, et pourtant cette opération du Mali a été réussie. Il s'agit, vous avez raison, d'un autre type de dossier, sans doute beaucoup plus compliqué, encore plus complexe. Mais le président de la République, qui a eu encore il y a un instant, à l'occasion de cette conférence de presse à Saint-Pétersbourg, des mots d'une très grande fermeté, a le souci à la fois du rang de la France. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous avons une responsabilité. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'utilisation de gaz chimique, du sarin,
que personne ne conteste, ce qui n'avait jamais été fait, sauf en Irak, il y a quelques années, ce qui avait donné lieu à une autre convention pour prohiber l'utilisation de ces armes contre les populations civiles, oblige la communauté internationale à une réaction. Oui, mais elle ne bouge pas, elle ne veut pas, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas, les autres Européens ne veulent pas, les autres pays, on a vu, Vladimir Poutine et d'autres. La France tous les a une responsabilité, dans le cadre d'une coalition plus large, d'agir pour dire que ça n'est pas possible qu'on ait utilisé contre les populations civiles ces gaz chimiques. Et puis le président de la République, il a une responsabilité, c'est celle de chef de l'État, il est le chef des armées, il incarne la nation. Alors j'entends bien les enquêtes d'opinion, mais la France a un rang, c'est sa souveraineté qui est en question. Et puis si la communauté internationale, François Hollande le disait très bien, n'intervient pas à cette occasion, alors ça veut dire que demain, tous les dictateurs pourront utiliser des armes de ce type contre leur peuple. Que fera à ce moment-là la communauté internationale si elle n'a pas été capable de se mettre d'accord et juste d'agir. Un dernier mot, François Hollande annonce qu'il attendra les inspecteurs de l'ONU. C'est pas un recul, ça? Il n'y a aucun recul, il y a cette même détermination. Le Premier ministre a rappelé qu'il y avait un certain nombre d'éléments l'autre jour à l'Assemblée nationale. Le rapport des inspecteurs, et qui en même temps vont nous dire qu'il y a eu utilisation de gaz chimiques, nous le savons, et puis aussi le vote du Congrès américain. L'enquête à Marseille, il n'y a pas de mort plus importante que d'autres, bien sûr, hein, mais celle d'hier, du fils de José Anigo, a provoqué une onde de choc et a provoqué beaucoup d'émotions. Alors, on a envie, avant de parler des conséquences et de ce que vous avez proposé, le pacte national, on a envie d'abord de savoir où en est l'enquête. Est-ce qu'on a des hypothèses? C'est un homme de 30 ans à peu près qui était sorti de prison en 2007, qui devait repasser devant un tribunal. Oui. Est-ce qu'on a voulu le faire taire? Je ne le sais pas, honnêtement. Rutel-Krieff, aujourd'hui, il y a une enquête d'une personne on peut que regretter, évidemment, sa mort. C'est un drame. Et puis, les conditions de son exécution sont terribles, au-delà du nom qu'il porte et qui, évidemment, nous ramène à l'Olympique de Marseille, qui représente aussi, qui est une des emblèmes de cette belle ville de Marseille. C'était un homme connu des services de la justice, qui était présumé complice d'un braquage. Suite à une erreur de procédure, il était dehors. D'ailleurs, l'une des autres personnes a été tuée en Espagne par la police espagnole. Donc c'était des poursuites pour des faits très graves. Il devait être renvoyé devant le tribunal. Il a été assassiné. Je ne doute pas encore une fois un seul instant, comme c'est le cas pour de nombreuses affaires, que nous en saurons plus dans les jours, dans les semaines qui viennent en fonction de l'enquête. On n'en sait pas plus ce soir. Non, il faut vraiment, et vous savez, c'est mon souci, laisser les enquêteurs, qui travaillent très bien, sous l'autorité du procureur de la République, avancer. Vous dites, vous n'avez pas de doute sur les élucidations. Il y a eu 15 règlements de compte depuis le début de l'année. Il y en a combien d'élucidés? Il y a des élucidations, il y a à peu près aujourd'hui, c'est insuffisant, mais nous avons largement amélioré ce taux. Il est aujourd'hui de 40% sur les meurtres de ces dernières années. Ce sont des enquêtes qui nécessitent du temps. Sur les 15 de cette année? Sur les 15, je serais beaucoup plus prudent. Mais vous savez, au cours de ces dernières années, mais ces chiffres ont froid dans le dos. C'est entre 20 et 30 personnes qui ont été assassinés, exécutés sur Marseille et sur les Bouches-du-Rhône. C'était vrai en 2010, en 2011, en 2012. On rappelait que dans les années 80, ce chiffre pouvait monter jusqu'à 40 à Marseille. On en parlait moins, parce qu'il n'y avait pas les chaînes d'information continues, il n'y avait peut-être pas la même motion. Aujourd'hui, c'est normal, on supporte encore moins ce type d'assassinat. Et évidemment, aucun d'entre nous ne peut admettre ce type de crime. Est-ce qu'il ne faudrait pas, certains spécialistes l'évoquent, comme en Italie, une loi spécialisée qui protégerait les repentis, qui permettrait d'avoir des informations et qui protégerait les repentis, leurs familles, et ça permettrait d'éviter d'envoyer un certain nombre de policiers et plutôt en les protégeant, on aurait des informations et on les protégerait des représailles. Ce type de dispositif est possible et nous l'avons évoqué, et nous l'étudions avec Christiane Taubira pour ce qui concerne la Corse, où la loi du silence parfois s'impose. Mais à Marseille, nous faisons face, et d'ailleurs, l'assassinat que vous venez d'évoquer ne répond sans doute pas à cette donnée, mais nous faisons face à ces crimes liés au trafic de drogue, et qui concernent notamment de très jeunes voyous, très jeunes, qui vivent du trafic de drogue depuis des années. Ils ont commencé à 7 ou 8 ans ou à 12 ans en surveillant. Parfois, dans leur famille, on cachait la drogue dans l'appartement. Et aujourd'hui, ce sont des trafiquants qui se tuent entre eux pour le contrôle du trafic de drogue, de cannabis,
qui peut représenter sur une seule journée et sur une cage d'escalier entre 30 000 à 100 000 euros de gains. Le trafic de drogue en France, c'est sans doute un chiffre d'affaires, selon les spécialistes, de 2 milliards d'euros. Et donc, on s'entretue pour le contrôle du trafic de drogue dans un certain nombre de quartiers. Et la multiplication de ces règlements de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des batailles pour les territoires et que ça bouge et qu'il y en a qui perdent leur territoire et que oui, il faut... sans doute souvent, quand l'un de ces individus sort de prison et il veut reprendre le contrôle de ce trafic qu'il a perdu, eh bien, il se fait assassiner ou il cherche à assassiner ceux qui lui ont repris ce trafic. Et donc, c'est très difficile parce que ça n'a rien à voir avec le milieu corso-marseillais, avec le banditisme que de beaux films, sérieux, très souvent, ont illustré. Je pense, donc elle serait inutile, je pense une à loi la French pour les Connection, Borsalino, on a tous ces images en tête. Ça a toujours été très bien fait, parce que Marseille connaît déjà le grand banditisme depuis un siècle. C'est une ville qui a même inventé en Europe ce type de banditisme. Mais c'était très différent. C'était des bandits, il y en a toujours encore, des voyous, qui investissaient dans la prostitution, donc dans les jeux. Donc une loi sur le repentir, ça ne servirait pas à Marseille. Face à ce type de voyous, de réseaux, qui s'accaparent, non pas toute une ville, mais des quartiers, c'est sans doute plus difficile. Mais faire parler la population, oui, ça c'est un élément très important. Parce que la loi du silence existe. Quand au mois de juin, vous en avez parlé, ça n'avait jamais été fait dans la grande cité de la Castellane, la cité de Zinedine Zidane. Il y a eu un travail qui a permis de démanteler le trafic de drogue, de récupérer 1 million d'euros, de récupérer des armes de guerre et d'arrêter des trafiquants de drogue et leurs complices. À ce moment-là, on voit bien qu'il y a plusieurs familles qui vivent de la drogue, et surtout celle, l'immense majorité de la population, qui subit et qui vit dans la peur. Donc alors, il faut aussi, cela, évidemment, que les langues se délient. Mais ce n'est pas un appel à la délation que je suis en train de faire. C'est le travail de renseignement, c'est le travail de police judiciaire, d'écoute de ce qui se passe sur le terrain, qui doit nous permettre de remonter ces filières. Cela, et je comprends face à ces crimes, et je comprends le scepticisme et surtout la colère des Marseillais et de tous ceux qui, dans un certain nombre de quartiers de notre pays, subissent de tels faits, il faut du temps, il faut un travail d'enquête. Face c'est ce que cela, nous faisons, savez, depuis un an. Il y a des gens, et par exemple mon confrère Mathieu Croissando du Parisien, mais d'autres, qui disent mais ça va peut-être être beaucoup plus difficile d'inverser la courbe du gangstérisme à Marseille que d'inverser la courbe du chômage, finalement. Et dans le fond, est-ce que ça ne va pas être, malgré vos grandes déclarations, malgré votre image, un échec important, un de vos premiers échecs? Ce n'est pas mon échec, ce n'est pas ma personne qui sont en cause. Ah, vous êtes le ministre de l'Intérieur, Bien sûr, vous êtes redevable de ça aussi. Jugé sur des actes, mais il n'y a pas de coup de menton dans cette affaire et de déclaration. Il y a des actes. Depuis plus d'un an, nous avons non seulement remis sur le terrain 230 à 250 policiers et gendarmes, des policiers notamment qui sont adaptés à la police judiciaire, c'est-à-dire au travail d'enquête. Le Premier ministre a annoncé 25 postes supplémentaires. Je vais jusqu'au bout. Mais surtout, parce que c'est ça l'essentiel, nous avons mis en place une méthode de travail qui change totalement à Marseille. C'est-à-dire la reconquête progressive des 80 cités qui sont au cœur de la ville, contrairement à ce qui se passe dans toutes les autres villes. 40 d'entre elles, surtout, je vous ai parlé de la Castellane, la cité des Oliviers. La Cailleule hier. Et la Cailleule hier, et ça continue. Absolument. C'est-à-dire, l'idée, c'est de reconquérir par tous les moyens, les cages d'escalier, les parkings. On a découvert des voitures volées, de l'argent, de la drogue, des armes de guerre. Et c'est ce travail de reconquête, ça ne doit pas être un coup d'une journée, c'est sur le temps. Combien de temps? Donnez-nous un temps, donnez-nous une idée. Je ne veux pas m'enfermer, je comprends qu'on ait volonté de m'enfermer dans un calendrier, mais ça prendra beaucoup de temps. Parce que ce travail-là, en plus de police, est en train de donner des coups de pied dans la fourmilière et de désorganiser le trafic de drogue. Je suis déterminé surtout. Et moi, je demande qu'on nous juge sur les résultats. Nous obtenons déjà, le procureur l'a annoncé, des résultats sur la baisse de la délinquance. Mais tout ça est évidemment masqué par ces exécutions, par ces règlements de compte. Nous obtenons des résultats, mais il faut du temps et il faut démanteler ces trafics de drogue. Mais en même temps, il faut aussi que ces cités qui ont été abandonnées depuis très longtemps. Mais les cités, parlons-en, les quartiers nord, ils sont les maires, ce sont des maires socialistes. Dans les quartiers nord de Marseille, la ville, elle avait été dirigée dans le passé par des socialistes. Le bilan n'est pas flambant. Et on se souvient que cet été, on va l'écouter tout à l'heure, vous avez chez Jean-Jacques Bourdin attaqué
bien en tête le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, en disant qu'il était en retard, qu'il n'avait pas fait assez, qu'il n'avait pas mis assez de vidéosurveillance, qu'il n'avait pas mis assez de policiers. Bon, c'est quand même peut-être fort de café de la part des socialistes de dire ça. C'est la deuxième ville de France, près d'un million d'habitants. Nous avons mis des moyens. La moitié de la ville est en zone de sécurité prioritaire. C'est un cas unique, ça veut bien dire qu'il y a des problèmes. Il y a un préfet de police de plein exercice qui est nommé. Et il y a cette méthode globale de reconquête des quartiers. Il faut lire le livre que va bientôt sortir Patrick Mennucci, le député maire du centre de Marseille, et qui très courageusement pointe toutes les responsabilités depuis des années. Mais bien sûr, et c'est pour cela que j'ai dit à Jean-Claude Gaudin hier, et je lui ai proposé ce pacte national, c'est-à-dire qu'il doit regrouper toutes les forces politiques républicaines sur Marseille pour lutter contre l'insécurité, surtout pour dire ce sujet de la violence et de l'insécurité. Vous l'aviez attaqué quand même le 20 août. Vous avez été très dur avec lui. On peut le réécouter quand même. Écoutons-le. C'est sur des arguments très oui, étayés. Oui, voilà, mais vous l'avez attaqué de front. Et puis aujourd'hui, vous dites, on va faire un pacte national. Il y en a qui disent, autour de Jean-Claude Gaudin, c'est une mascarade. Non, et Jean-Claude Gaudin a eu des propos, je crois, très responsables, comme beaucoup d'élus de droite ou de gauche de Marseille. Ça fait un an que je dis la même chose, Rüttel-Kreev. Ça fait un an que je dis à l'Assemblée nationale, au Sénat ou à Marseille, que je dis il faut se mettre ensemble autour d'une table, il faut dépasser les clivages politiques, la sécurité ni de droite ni de gauche, et les Marseillais ont besoin de la mobilisation de tous. On l'écoute quand même. Mais à Marseille, quand même, avec la situation que nous connaissons, avec les leçons que donne la municipalité de Marseille demandant à l'État de faire plus, alors que pendant des années, ils n'ont rien demandé à leurs amis qui étaient au pouvoir, qui supprimaient les postes de policiers. Et ils ont décidé de créer une police municipale digne de ce nom. Seulement maintenant, il a fallu attendre que nous leur demandions. Qui sera armé ? Mais c'est à Jean-Claude Gaudin de faire ce choix. Et maintenant, vous lui dites, on va travailler ensemble. Oui, mais parce qu'il y avait un certain nombre de ses adjoints, de ses élus, qui avaient mis en cause l'État. Et ce jeu qui consiste à mettre en cause ou l'État ou la municipalité, les Marseillais ne le supportent pas. Depuis un an, notamment parce que le Premier ministre a décidé que Marseille, c'était un engagement. Jamais l'État n'avait décidé qu'une ville aussi importante, la deuxième ville de France, allait bénéficier du soutien et de l'aide de l'État, pas uniquement en matière de sécurité, sur l'emploi, sur la rénovation urbaine, sur les transports, sur le développement économique et à travers notamment la création de métropole. Donc nous avons besoin de cette unité pour répondre surtout à l'attente des Marseillais. On va écouter les réactions dans un instant, juste après le journal, de quelques Marseillais et d'autres politiques sur le pacte national. Vous allez me dire ce que vous en attendez très concrètement dès demain. A tout de suite, vous restez avec nous.
Rachid, on se retrouve et on parle évidemment de François Hollande qui soutient l'idée de pacte national contre la violence à Marseille. Il l'a dit à Saint-Pétersbourg cet après-midi. Effectivement, pour le chef de l'État, qui a déclaré tout à l'heure que c'était une bonne démarche, surtout à la veille des élections municipales. Ce qu'il faut, c'est extirper les trafics et notamment le trafic de drogue dans ces cités, a poursuivi François Hollande. Écoutez. Il faudra du temps, de la patience, des moyens, mais il y aura des résultats. Nous les devons aux Marseillais, qu'ils sachent bien que la République est entièrement derrière les Marseillais pour qu'ils en terminent avec ces moments extrêmement douloureux et où chacun peut craindre pour sa propre existence dès lors que des règlements de compte se passent en pleine rue. Tout sera fait. Dans les règles, dans le respect de la loi, tout sera fait. Et ce qu'il faut, c'est extirper les trafics et notamment le trafic de drogue dans ces cités. Voilà, et sur BFM TV, Manuel Valls estime que les assassinats à Marseille sont le plus souvent liés au trafic de drogue, sans rapport avec le grand banditisme. Toutefois, le ministre de l'Intérieur souhaite rompre la loi du silence. Pour remonter les filières, il faut du temps, a dit Manuel Valls, qui refuse de parler d'échec. Le G20 s'est terminé sans accord sur la Syrie. Et chacun a campé sur sa position, mais selon la Maison-Blanche, 11 pays du G20 appellent à une réponse internationale forte contre Damas. Barack Obama, lui, reconnaît que ce sera difficile d'obtenir le feu vert du Congrès américain pour des frappes. Et François Hollande souhaite maintenant attendre le rapport des inspecteurs de l'ONU avant toute action militaire. Grégoire Pelpel. L'attitude de Vladimir Poutine à la traditionnelle photo de famille trahit l'ambiance électrique de ce G20. En retard, semblant presque contraint, l'hôte du sommet ne reste que quelques secondes devant les objectifs, en cachant mal son agacement. Au cœur des crispations, la question d'une intervention militaire en Syrie. Et le tête-à-tête d'une demi-heure entre les présidents russes et américains n'aura pas fait bouger les lignes. Cette conversation a été constructive, significative, cordiale, et chacun est resté sur ses positions. Scindant clairement le G20 en deux camps, 11 pays ont réclamé dans un communiqué une réponse internationale forte contre Damas, désignée comme responsable de l'utilisation d'armes chimiques. À leur tête, Barack Obama, selon qui le monde ne peut pas rester les bras ballants. J'ai été élu pour... arrêter le terrorisme, pas pour l'encourager. Parfois, il y a des choix difficiles à faire si nous voulons faire respecter les choses qui nous tiennent à cœur. Je pense que ceci est un de ces moments-là. Côté français, François Hollande a préféré temporiser et conditionner une action militaire. Nous allons maintenant attendre la décision du Congrès, du Sénat américain, de la Chambre des représentants, puis le rapport des inspecteurs. Et au vu de ces éléments, j'aurai à prendre, là encore, des décisions. Dans le même temps, sur le terrain, la tension est aussi montée d'un cran. Washington a ordonné l'évacuation de personnel à Beyrouth, au Liban. Et Moscou a annoncé le renforcement de son dispositif militaire au large de la Syrie. Voilà, et en Syrie, les autorités affichent toujours leur confiance à la télévision d'État ainsi que dans les discours. Pas question de montrer une quelconque inquiétude. Et parmi la population, l'hostilité anti-française semble progresser. Julia Delage est l'envoyée spéciale de BFM TV à Damas. Évidemment, de ce côté-là, une fois de plus, de la ville, on ne veut pas entendre parler d'une opération contre la Syrie de la part des puissances occidentales. Et la position de certains s'est même durcie ces derniers jours face aux forces d'une éventuelle coalition et notamment envers la France. La France est suiviste, nous disait un homme d'affaires syrien que nous avons rencontré ici, un homme qui œuvre aussi pour la communication du président. On ne pourra pas lui pardonner ça et de brandir évidemment la menace d'une installation pérenne des islamistes en Syrie. Pour lui, il y avait avant une société laïque en Syrie qui maintenant est en train de devenir minoritaire. Retour en France, et c'est dans l'intimité que les obsèques de Valérie Benguigui ont été célébrées aujourd'hui au cimetière du Montparnasse à Paris. Parmi les personnalités présentes, Manu Payet ou encore Patrick Bruel. Écoutez. Il faut retenir son travail. Il faut le partager, il faut le faire voir à ceux qui ne le connaissaient pas parce que c'est une grande comédienne et je crois que ça lui ferait plaisir qu'on continue à partager son travail mais qu'il ne parte pas avec elle. Que de très jolies choses ont été dites et très à l'image de ce qu'elle dégageait pour tout le monde.
L'espoir à présent avec l'équipe de France de football qui n'a absolument pas droit à l'erreur ce soir face à la Géorgie. Les hommes de Didier Deschamps vont tenter de rester dans la course pour décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde au Brésil. Victoire impérative donc ce soir pour les Bleus. On finit avec la météo, bien sûr. Alors demain, d'abord, eh bien, les orages se situeront entre les Pyrénées et le nord-est du pays. Températures maximales qui afficheront de 17 degrés à Brest à 28 degrés en Corse. Et puis dimanche, la zone orageuse ira de l'Alsace à la Méditerranée. Des éclaircies assez belles reviendront par l'arrière de ces orages. Température l'après-midi de 16 degrés à Cherbourg à 28 degrés en Corse. Il fera 22 degrés dimanche après-midi à Paris. Et tout de suite, le Politikozap de Tatiana Renard-Barzac est au menu. Jean-Marc Ayrault notamment, on regarde. Pendant que François Hollande parle de la guerre en Syrie au G20, Jean-Marc Ayrault est sur tous les fronts. Le Premier ministre inaugure aujourd'hui la foire européenne de Strasbourg. Il a prouvé qu'il était très polyvalent, maniant aussi bien la truelle que le verbe. Je ne vais pas venir travailler chez moi, monsieur Héro, là, vous êtes un bon vendeur. Merci, monsieur, bonne chance. Bonne nouvelle, une partie de la production de Solex va être localisée en France. Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg est un ministre heureux. Hier au Bourget, il nous l'a prouvé. C'est vous qui décrochez les marchés partout dans le monde. Exactement. Alors, on pédale en Solex, les gars, hein. Bien. C'est plus calme en Saône-et-Loire. On y va. Alors, franchement, il est très confortable. Il est nerveux, comme j'aime. Montebourg en super VRP du Made in France, ça devient une habitude. Souvenez-vous la voiture électrique de Renault. Il fait pas de bruit, c'est génial. Mon rétroviseur, parfait. Qu'est-ce que c'est les petits bruits là? Ça c'est la ceinture. Une fausse sextape pour parler de la Syrie. Tout est parti d'un tweet de l'actrice américaine Alyssa Milano qui, affolée, explique que sa vidéo érotique a été dévoilée, qu'elle va essayer de contrôler la situation. En cliquant sur un lien, on découvre l'actrice en tenue sexy, prête à filmer ses ébats. Mais en fait, on voit ça. Un journaliste expliquant la situation en Syrie, la position américaine, appâter les internautes avec du sexe pour les sensibiliser à une guerre en Syrie, un pari osé. La délinquance quotidienne baisse. Aujourd'hui, par exemple, les arrachages de colliers d'or ont pratiquement disparu du centre de Marseille. Mais ça n'est pas ça qui vous intéresse. Et je peux le comprendre, ce qui vous intéresse, c'est qu'on arrête ces assassinats à répétition. Mais c'est difficile. C'est l'orage. Hein, ne soyez pas inquiets. Je vois qu'il y a de l'inquiétude. Hein. Voilà, ce n'était que l'orage tout à l'heure. On va reparler. Impressionnant. De Marseille. Dans un instant, merci Manuel Valls d'être avec nous. Restez, on se retrouve juste après cette pause publicitaire.
Manuel Valls, merci d'être avec nous et d'être resté avec nous sur BFM TV. Vous proposez un pacte national contre la violence pour la sécurité à Marseille. Je voudrais que vous écoutiez trois réactions. Celle de Samia Ghali, c'est une socialiste. Celle de Renaud Muselier, il est UMP. Puis celle de Marseillais, tout simplement. On les écoute. Il faut que le président de la République, je le dis, j'en appelle au président de la République, il faut que le président de la République prenne en compte la situation marseillaise et qu'on y mette réellement les moyens. Il n'y a pas assez de policiers vu la situation marseillaise, je le dis. Si on a un pacte sur Marseille, bien sûr qu'on y adhère. Mais vous savez, il faut faire attention aux mots et aux symboles des mots. Quand nous avons eu la semaine dernière le Premier ministre qui vient avec 5 ministres pour nous dire qu'il s'occupait de Marseille et qu'il nous octroie péniblement du bout des lèvres 20 enquêteurs supplémentaires, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. Je suis pas sûre que ça suffise parce que ça fait longtemps que c'est comme ça et je vois pas ce que les élus peuvent faire en plus pour arrêter la violence et les trafics de drogue. Je pense qu'il y en aura toujours. Je pense pas qu'on puisse régler tant qu'on n'ira pas dans les cités. Un coup d'épée dans l'eau de plus. Beaucoup de scepticisme. Oui, mais face au scepticisme, aux inquiétudes, il faut opposer une grande résolution, une grande détermination. Je vous le disais, il y a un an, le Premier ministre a décidé que Marseille était une priorité. Nous avons mis le paquet en matière de sécurité. Je vous le disais aussi, 250 policiers et gendarmes supplémentaires, 4 compagnies républicaines de sécurité. Mais dans la rue, dans le centre-ville, les femmes disent qu'elles sortent sans collier, qu'elles ne veulent pas sortir. Il y a ce sentiment, il y a des CRS, mais est-ce que ça suffit? Mais ce sentiment, il se trouve que je vais souvent à Marseille. Ce sentiment est une réalité. En même temps, les vols avec violence, les arrachages de colliers sur le centre-ville ont diminué. Les vols avec violence de près de 13%, les vols, les arrachages de colliers de 60%. La police est présente à moto, en VTT, sur le terrain. La municipalité... Elle n'a pas consigné de ne pas intervenir pour ne pas créer d'incident, pour ne pas choquer, pour ne pas... Mais il manquerait plus que ça. Au contraire, la reconquête du centre-ville qui avait commencé avant moi, avec mon prédécesseur et avec le préfet Gardère, la vidéoprotection qui s'installe non seulement en centre-ville, mais qui va s'installer un peu partout dans les quartiers, le fait que la municipalité mette de la police municipale et qu'elle la redéploie enfin sur l'ensemble de la ville, le fait que nous avons mis, non pas 25 enquêteurs, ils viennent se rajouter aux 225 policiers et gendarmes qui sont sur la ville. 200 postes de policiers avaient été supprimés par le passé. Et il faut évidemment reconquérir ces cités et ce travail d'enquête doit aller jusqu'au bout. Des questions précises là-dessus, juste. Samia Ghali disait qu'il faut que le président de la République s'intéresse. Il l'a non seulement encore dit, mais c'est tout le gouvernement qui a été mobilisé. Ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de surenchère verbale. Il y a les primaires socialistes dans quelques semaines. Il y a les élections municipales dans quelques mois. Il y a le scepticisme des Marseillais. Donc face à cela, la responsabilité de chacun est engagée. Vous disiez que la ville avait été gouvernée par les socialistes. Elle l'est par Jean-Claude Gaudin déjà depuis un certain nombre d'années. On va se renvoyer le passé des uns et des autres, les responsabilités des uns et des autres. Mais c'est ça qui décrédibilise le débat public à Marseille ou ailleurs. Donc à Marseille, c'est essentiel que les élus, et notamment les responsables des collectivités territoriales, se mettent d'accord avec l'État sur les grands chantiers qui nécessitent l'engagement de tous. Le Premier ministre ira à Marseille dans quelques semaines, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et vous ? J'irai évidemment sans doute à Marseille, mais le Premier ministre pour présenter le contrat d'agglomération où on doit trouver d'autres éléments. La politique d'emploi pour les jeunes, la rénovation urbaine, la politique des transports, le développement économique. Jean-Marc Ayrault se bat depuis un an. Il a eu d'ailleurs le soutien de Marie-Arlette Carlotti, de Patrick Menucci, de Jeanne Caselli, mais aussi de Jean-Claude Gaudin pour créer les conditions d'une métropole. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Marseille, qui est une belle ville, est en même temps une ville très pauvre, qui n'a pas de richesse économique et que la richesse économique est autour et qu'on a besoin là aussi d'une agglomération forte qui permette à ce département, à cette métropole et à cette ville, la deuxième de France, d'aller de l'avant parce que c'est une ville qui a des atouts, c'est un port, c'est une ville qui relie les deux rives de la Méditerranée. Voilà. Sur Marseille, je voudrais qu'on parle de vous quelques instants. On a dit que vous avez perdu plusieurs arbitrages, ou en tout cas que vous aviez essuyé quelques échecs, quelques camouflés. Vous vouliez le voile à l'université, on a écarté ça. Vous avez parlé du regroupement familial en disant sur l'immigration, c'est compliqué. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on a voulu vous déstabiliser, qu'il y a eu une sorte de front anti-Valls pendant l'été, parce que vous en avez fait trop pour certains? Mais cela n'a aucun intérêt, qu'on ait transformé rapidement
rapporter des propos tronqués pour me nuire. Mais ceux qui ont fait ça nuisent au président de la République, au Premier ministre et à l'action collective du gouvernement. Moi, j'ai une tâche, j'ai une mission. J'ai la confiance du président de la République et du Premier ministre pour la mener. C'est assurer la sécurité des Français. C'est lutter contre les violences. C'est lutter contre les trafics. On a cherché à vous déstabiliser. Mais je ne sais pas, mais au fond, peu importe. Est-ce que il y a un front anti-Valls ? Je ne le crois pas. Il n'y a pas de front anti-Valls ? Ce que je défends depuis des années. On a eu l'impression qu'il y avait trois femmes. Christiane Taubira, Martine Aubry et Cécile Duflo qui se sont retrouvées à La Rochelle un peu avant et tout. Et que, dans le fond, elles voulaient constituer le pôle anti-Valls sur d'autres qui critiquaient, qui disent que vous seriez un peu la droite du gouvernement. Mais je lis avec beaucoup d'intérêt ces analyses, mais elles n'ont aucune importance. Depuis des années, je défends l'idée que la sécurité est une valeur et que la gauche doit porter cette valeur-là. Parce que l'insécurité et la délinquance touchent d'abord les plus modestes et les plus fragiles de notre société, notamment dans les quartiers populaires. Et donc vous ne changerez pas là-dessus, vous sentez qu'il y a de l'opposition à gauche. Mais je ne changerai pas parce que cette attente, elle correspond non seulement aux électeurs de gauche, aux électeurs socialistes, mais c'est d'abord l'attente des Français. Et quand on est ministre, on défend l'intérêt général, l'efficacité de la police, l'efficacité de la chaîne pénale. Non, ça fait partie du débat public. Et moi, je vois que j'ai non seulement la confiance du président de la République ou du Premier ministre, mais aussi la confiance des Français pour mener cette action. C'est-à-dire quoi, les Français contre le parti ou contre le parti socialiste me soutient, et c'est bien normal. Et c'est très important que d'autres forces politiques, sur cette question de la sécurité, de la lutte contre le trafic de drogue qui brise nos quartiers, qui tue une partie de notre jeunesse, ça soit une mobilisation de tous. Écoutons Christiane Taubira, je voudrais qu'on écoute deux petits sonneurs de Christiane Taubira, elle parlait de vous. Si nous cédions à la tentation si lourde ces 10 dernières années, à la tentation de s'en remettre, soi-disant, au bon sens, aux discours martiaux, aux grandes menaces, à la virilité intimidante. C'est vous la virilité intimidante ? Je crois qu'elle pensait à quelqu'un d'autre. Oh, je sais pas, moi je crois pas. Hein. Avec Christiane Taubira, nous travaillons ensemble. Et depuis un Comment vous avez réagi à ça ? Vous vous êtes dit quand même, c'est vache. Non, mais ne parlez pas de moi, je ne peux pas le croire un seul instant. Nous travaillons. Allez. Non, mais ces petites phrases, tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, les magistrats et les policiers travaillent ensemble. Mais l'efficacité. On le sait, pendant la réforme pénale, il y a eu beaucoup de discussions. Mais c'est normal. Il y a eu beaucoup de. Vous n'étiez pas d'accord. Fuites. On a dit justement que c'était pour vous nuire. Mais c'est normal qu'il y ait une discussion dans un gouvernement. Ce qui ne l'est pas, au détriment du sens de l'État, c'est que des notes ou des propos soient rapportés à l'extérieur. Mais l'essentiel pour les Français, c'est que la chaîne pénale, c'est que les forces de l'ordre et la justice travaillent ensemble pour lutter contre la récidive. Et c'est notre priorité commune. Et vous n'avez pas eu l'impression qu'avec cette réforme pénale, on ne va pas la refaire ici, c'est très technique, que l'idée qu'on puisse avoir des peines beaucoup trop légères ou qu'on puisse ne pas mettre en prison un certain nombre de délinquants qui sont condamnés, qui seraient condamnés à des délits de moins de 5 ans de prison, eh bien dans le fond, ça va nuire à tout votre travail sur la sécurité. Que peut-être qu'au municipal, eh bien, les électeurs vont dire il y a du laxisme, on n'y croit plus. Le Premier ministre a annoncé la construction de 6500 places de prison. C'est assez. Elles sont déjà financées. Il faudra sans doute continuer après. Nous avons arbitré le fait qu'il fallait revenir sur une disposition laxiste de la loi pénitentiaire présentée par Rachida Dati sur les aménagements de peine. Donc ça vous a suffi. Avant, vous avez l'impression que c'est assez. Avant, c'était pour ceux qui avaient été condamnés pendant 2 ans. Là, ça sera pas avant 1 an. Et pour les récidivistes, pas avant 6 mois. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté très forte de lutter contre la violence et d'appliquer la loi de la République et la peine. Et l'emprisonnement est évidemment une peine. Et en même temps, il faut des aménagements de peine, et il faut préparer surtout, et c'est le projet de loi que va présenter Christiane Taubira, contre ce qu'on appelle les sorties sèches, qui ne sont pas préparées et qui sont au cœur de la récidive qui a augmenté au cours de ces dernières années. Et la récidive, c'est ce qui crée la défiance vis-à-vis de l'État et de la justice, et ce que ne veulent pas les Français. Est-ce que vous êtes sûr, François Hollande, vous en veut pas d'être beaucoup plus populaire que lui ? À ce niveau-là, franchement, nous sommes tous sur le même bateau. Et moi, je sens qu'à l'occasion de cette rentrée sur la reprise économique, sur le fait que le climat semble s'améliorer, qu'on souligne même que François Hollande peut gagner son pari d'inversion de la courbe du chômage, le nombre de signatures, d'emplois d'avenir ou de contrats de génération, ce sont des emplois que l'on retrouve. Malgré la difficulté que vivent beaucoup de Français, nous voulons réussir pour les Français. Et moi, je suis dans cette équipe. À ma place,
pour réussir, notamment en matière de lutte contre la délinquance. Vous aviez fait 5% aux primaires. Aujourd'hui, vous êtes la personnalité au sein du gouvernement la plus populaire, à gauche la plus populaire, même à l'UMP, vous avez une certaine popularité qui parfois est en hausse. C'est une revanche ? Non, il n'y a pas de revanche. Vous savez, c'est une responsabilité, c'est une chance que d'occuper ce ministère de l'Intérieur. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Intérieur. Mais jusqu'à ce qu'on me fasse confiance pour mener cette tâche. C'est un ministère passionnant, ministère de l'ordre public, mais aussi qui en charge l'immigration, la relation avec lui, c'est le ministère de l'État. Comment vous voyez dans 10 ans ? Où vous voyez dans 10 ans ? En disant, un peu vieilli, un peu fatigué sans doute, après cette tâche passionnante. Mais servir son pays, c'est une tâche exaltante. Et moi, je veux réussir parce que je veux faire la démonstration qu'en matière de sécurité, nous serons efficaces. Et c'est aussi une manière de reconcilier les Français avec la politique, et notamment ce que souffrent ces couches populaires. C'est sans doute mon obsession. C'est pour ça que je crois que nous réussirons. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel Valls, d'être venu sur BFM TV.